Excalibur, l'épée magique. Les chevaliers s'interrogent lorsqu'un jeune écuyer entre dans la salle et s'adresse au roi. Sire, j'ai vu au pied de votre château un gros bloc de pierre flotter sur l'eau. Venez le voir. Tous se précipitèrent pour découvrir un rocher de marbre rouge échoué sur le rivage. Une longue épée précieuse y est plantée. Sur son pommeau est gravée une inscription en lettres d'or. Je m'appelle Excalibur et jamais personne ne pourra me lever. Silence celui qui doit me prendre à son côté. Et ce sera le meilleur chevalier du monde. Seigneur, dit le roi à Lancelot, cette épée est donc pour vous. Qui peut continuer, les élèves? Abdelhamed, tu peux continuer. Lancelot, cette épée est donc pour vous. Cette épée est donc pour vous. N'oubliez pas que c'est le roi qui répond, Lancelot. Je n'aurai pas l'audace d'y porter la main, car elle est pour plus valeureux que moi. Très bien, le roi demande. Très bien, oui, tu peux continuer, s'il te plaît. Le roi demande à son neveu Messie, Gobain, qui saisit l'effectif de toutes ses forces, mais ne peut la dégager. Perceval s'y essaye à son tour, mais en vain. Très bien, s'il te plaît. Alors, votre camarade avait raison quand il avait dit que Excalibur, c'était pas un chevalier, mais c'était quoi? C'était une épée. Applaudissez votre camarade. Applaudissez très fort. Courageux et aussi, il doit être fort.